Coucou les choucroulous, ici Lupina pour un nouveau chapitre de l'histoire des Dégalienti. Je regarde là alors que ma caméra est là maintenant et j'ai tapé dans le micro et j'ai fait tomber le poivre et c'est génial. Et si vous entendez un bruit de fond, je suis désolée, mais c'est euh, le monsieur qui s'occupe euh, de l'entretien de l'immeuble qui a décidé de tondre la pelouse maintenant. Donc j'ai attendu un petit peu, je crois qu'il est parti, mais on ne sait jamais s'il revient. Euh... <rire> Bref. <rire> Comme vous pouvez le constater, Bertie est là avec tous ses copains, et en fait, je me suis dit, et pourquoi pas les envoyer vivre leur vie, en fait, un espèce de test, une fois qu'ils sont vampires et qu'ils ont leur pouvoir. Donc, ils ont tous lu, normalement, les livres, euh, les livres vampires, et, euh, et donc, maintenant, ils doivent tester leur aptitude à prendre leur pouvoir entre eux et autour d'eux, donc, on va voir ce que ça donne pour ma part, euh, j'ai mis le MC Commander pour avoir 9 sims sur un terrain. Mais je me suis rendu compte en tournant la cinématique. Parce que quand j'ai tourné la cinématique, Crystal et Mike sont devenus vampires. Et je me suis dit, bah tiens, je vais changer leur forme vampirique. Sauf que ça a complètement planté mon jeu. Et ça m'a supprimé Bertille. Voilà, ça aurait pu supprimer n'importe lequel, mais ça supprime Bertille. C'est en kikinant, du coup, j'ai pas sauvegardé. Je suis revenue euh, quelques heures avant. Je sais pas ce que je vais faire. Pour le moment, ils sont neufs. Je les laisse là, on verra plus tard à la limite comment ça se déroule. Il est possible que dans cet épisode, Crystal et Mike euh, deviennent vampires, donc on verra une forme sombre absolument dégueulasse et aléatoire que je n'aurais pas choisie, et qui ne sera pas définitive, donc il ne faudra pas du tout la prendre en compte, il faudra s'en foutre royalement. Je vais m'occuper que de Bertille. Donc dans cet épisode-là, on va essayer de, euh, bah, de discuter avec tout le monde, de faire nos relations, de s'entraider, etc. etc. Euh, le seul truc que je vais faire avec les autres, c'est leur choisir un pouvoir euh, dans, dans la liste euh, quand ils auront les, les connaissances pour. Et voilà, ils vivront leur vie et nous la nôtre. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, ça se trouve, ils vont s'engueuler, ils vont euh, se réconcilier, on ne sait pas trop. Et vous voterez aujourd'hui. Vous allez devoir faire deux votes. Il y en aura un sur le petit i euh, comme d'habitude, en haut à droite. Sur le petit i, vous allez voter pour euh, un garçon. Et dans la barre d'infos, il y aura un lien pixel. Pour voter pour une fille. Alors par contre, je ne sais pas. Enfin, je je ne vous dis pas ce que je vais faire avec ces personnes. Donc choisissez bien, choisissez bien, choisissez bien. Je vous en dis pas plus. Donc n'oubliez pas le petit i du sondage et le lien pixel que j'ai mis dans la barre d'infos et que je remettrai dans les commentaires. Je vous ferai un petit un petit euh, un petit message épinglé. Euh, je ne sais pas si j'aurai le temps de le mettre parce qu'en fait les commentaires je peux les mettre que une fois que la vidéo est sortie. Et ce soir, je ne suis pas là. Enfin, je ne sais pas si je serai rentrée. Enfin, en tous les cas, vous l'aurez. Même si vous l'avez un peu plus tard, vous l'aurez. Bref, on va peut-être commencer. Parce que ça fait 4 minutes que je discute. Donc, n'oubliez pas de voter. C'est important. N'oubliez pas que c'est votre série aussi. Que c'est moi qui scénarise derrière. Mais c'est quand même vos choix. Et vos choix peuvent changer des choses. Et ouais. Et ouais <laughs> La gueule que j'ai. Donc, alors là, ils sont tous en train. Ah, mon dieu, mes oreilles mais pourquoi vous faites ça Pourquoi Euh, je sais pas si vous entendez. Mais ils sont en train de chanter en fait. Ils sont tous en train de chanter. Autant Bertille, ça peut aller Ah ça va, elle chante. Ah oh, merci Bertille, mes oreilles. Mais oh, je crois qu'il y avait Gabrielle qui chantait, mais c'était tellement horrible. Gabrielle, c'est horrible ce que tu fais. Euh, la seule chose que je vais faire avec eux, en fait, c'est leur faire faire leur devoir. OK donc c'est buggé. Euh, c'est génial. Euh, Edouard, Édouard un violon. Oui, c'est vrai que Edward était aussi violoniste, on l'avait vu dans une euh, dans une cinématique. Alors, ah oh mon dieu, il y en a Ah ça y est, ils sont transforme en vampire. Alors, oh mon dieu, oh my goodness. Non, je suis désolée, euh, il n'aura définitivement pas cette forme euh, cette forme finale hein. c'est dégueulasse. Non 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 non. Donc Cristal devrait pas tarder aussi. Euh, je vous dis, quand je pourrai, je mettrai bien. Mais je pense que je vais euh, finir par dissocier les groupes. Enfin, on verra ça. Pour le moment, je les garde. J'essaierai je, je, de faire hors caméra, leur changer leur apparence vampirique. Au pire, c'est pas un drame. Arrêtez de chanter, je vous en supplie! Oh my god Donc, beaucoup d'entre vous ont aimé Lindy. C'est vrai qu'elle est super mignonne. Euh, elle a une bonne tête. J'ai mis un appareil dentaire parce que ça me fait trop rire, les appareils dentaires. Elle est super jolie. Elle a de ses yeux. Euh, elle est très, très belle. Il y en a qui ont aimé Maria aussi. Il y en a qui ont aimé Crystal. Enfin, en fait, vous avez aimé un peu tout le monde. Il y en a beaucoup qui m'ont dit oh, « ils sont tous trop mignons !» Et c'est vrai, ils sont tous trop mignons. Euh, je les kiffe tous. Tous, tous, tous. Voilà. Bref. Crystal va changer ça y est, elle se transforme aussi. Oh non, Crystal, tu es horrible. Ah bah, je suis désolée, le mec de la tondeuse revient. Donc, c'est génial. On adore. C'est super. Ah non, 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 non. Tu n'auras pas cette tête-là non plus, Crystal. Euh, c'est horrible. <laughs> c'est horrible. Et j'en ai marre. Pourquoi est-ce que le gars, il fait sa tondeuse pile quand je tourne C'est un complot Un complot Bon, du coup, euh, dans la cinématique, je vous ai montré qu'un bout de l'appartement, puisqu'en fait, je vous ai pas montré toutes les chambres. Donc, je vais vous les montrer. Ici, nous avons la chambre de Mike. Euh, Gabriel, t'as rien à foutre là, t'es gentil, mais oh merci, au revoir. Euh, ici, nous avons la chambre de Mike. Donc, j'ai opté pour du rouge. J'ai, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. J'ai essayé... De faire une personnalité pour chaque chambre, donc peut-être que ça vous plaira, peut-être que ça vous plaira pas, mais euh, vous m'avez euh, prêté vos sims en quelque sorte, donc c'est normal si les choses ressemblent pas tout à fait à ce que vous pouvez avoir dans vos parties, c'est normal, donc m'en veuillez pas. Euh, donc voici, donc pour, pour Mike, j'ai mis cette chambre là, elle est, elle est petite mais j'avais pas trop le choix, il y avait vraiment plus de place à l'étage, donc j'ai mis du rouge. <laughs> Ici nous avons le salon dehors. Je crois que je voulais mettre un truc dehors, mais j'ai oublié. Ah oui, et partout il y a des caméras. Il y a des caméras. Pourquoi il y a des caméras Parce que Léontine peut regarder. Léontine et les autres parents, d'ailleurs, peuvent regarder comment vivent leurs enfants, ce qu'ils décident de faire, etc., etc. Et comme c'est un test, hein, c'est un test. Donc, Bertie, tu vas allumer la, la cheminée. C'est un test, donc il faut qu'on vérifie que tout le monde, que tout le monde a bien. A bien bosser. Évidemment, il n'y a pas de caméra dans la salle de bain parce que, bon, euh, ils ne sont pas là pour mater non plus. Donc, ici, on a une première salle de bain noire et bleue, comme vous pouvez le constater. Mon Dieu. Et on arrive en haut. Alors, en haut, il y a que des chambres. Que des chambres et des salles de bain, évidemment. Juste en haut de l'escalier, on arrive dans la chambre de Lady. Lady, j'ai trop envie de la faire girly, rose et tout. Je sais, je suis la première à dire oui, le rose pour les filles, c'est pas bien. Mais. Dans ma tête, c'est le rose pour les petites filles. Un style girly. D'accord, il n'y a pas de souci girly. Bon, euh, le mot, euh, voilà. Euh, bref, j'avais envie. Écoutez, j'avais envie de faire du rose et du blanc pour une fois. Donc euh, voilà, des choses très girly, très mignonnes, très romantiques, des pétales de rose, etc. Euh, ça, ça me fait rire, en fait, que, que Lady ait une, euh, une chambre aussi douce et mignonne et Fifi, entre guillemets Fifi, hein, puisque je crois qu'elle est méchante euh, ou malveillante. Ouais, c'est ça. Elle est méchante et froide. <laughs> du coup, ça, ça me fait rire. Enfin, je trouve que ça lui va bien aussi. Vous, de toute façon, vous me direz dans les commentaires que ce soit les créateurs ou les ou, ou d'autres gens, enfin, d'autres abonnés, vous me direz ce que vous pensez de chacune des chambres et des personnalités que j'ai créées. Au vampire. Ici, nous avons la chambre d'Edouard. <laughs> Alors, du rouge et du noir pour Edouard. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais plus pourquoi. Je ne sais plus ce qu'il est. Ça ne veut pas cliquer, mais non, mais je veux pas que tu m'emmènes dessus, euh, trou de bal. Ah, ils sont en train de chanter, c'est une catastrophe. Euh, donc Edouard, voilà. Donc c'est un génie, un rat bibliothèque, c'est parfait. Donc lui, je lui ai mis des, j'ai mis quand même quelque chose de romantique parce que j'ai envie qu'il soit un peu, euh, un peu romantique. Donc le rouge et le noir, un rouge et noir, na <laughs> Il y a un PC, il y a de quoi Est-ce que j'ai mis une bibliothèque au moins Je sais plus. Je crois que oui, mais je sais plus où. Non, j'en ai pas mis, quelle quel truffe Donc, il a son PC, il a plein de bazar, histoire de dire, bah voilà, moi j'étudie, machin truc. Ici, nous avons la chambre de Lindy qui est amatrice d'art, muse créative. Donc, elle, j'ai voulu quelque chose de sobre pour une fois. Il y a un chat qui squatte. Regardez-moi ce petit squatteur Le bibou je crois que je vais faire un, un let's play La vie de Grougal Et je vais filmer mon chat H24 Hum, mmh, sale bête, oui Tu dis bonjour, bonjour Je suis Grougal, je suis Grougal mmh. Allez, du palais, il va sûrement miauler hein. Vous connaissez mon chat Il aime miauler quand je parle Je n'ai absolument rien fait de ce let's play, c'est génial <laughs> Donc euh, Là, la chambre de Lindy voilà, je vais y arriver. Lindy, c'est bien Lindy parce que c'est Linda, je vous jure. J'ai tellement hein, du mal avec son nom. Non, c'est bon, bien Lindy. Ouf Donc, j'ai voulu quelque chose d'assez sobre, mais quand même chargé. Donc, vous voyez, il y a des notes, il y a des... <laughs> La porte qui a un prisme, je trouve ça très drôle. Je sais, j'ai un humour de merde. Mais ça me fait rire, qu'est-ce que vous voulez Donc, elle a de quoi peindre. J'ai le nez qui est bouché, c'est super. Et elle a de quoi... de quoi peindre, bien sûr. Donc, elle a de quoi, de quoi peindre. J'ai y arriver. Ils ont tous un bureau et un PC, donc ça ils l'ont tous dans leur chambre. Voilà, donc elle a du bordel. Enfin, j'aime bien qu'il y ait un peu de bordel dans les chambres. Elle a sa salle de bain, donc ça c'est bien, elle est tranquille au moins. Euh, bleu et noir aussi. Je suis très originale moi. Euh, ici, nous avons une autre salle de bain, donc ça c'est une salle de bain pour tout le monde et là aussi. Euh, j'ai quand même fait assez de salles de bain. Celle-là aussi, d'ailleurs. J'ai essayé de faire assez de salles de bain pour tout le monde. Euh, je crois qu'il y, y, y en a une autre là. Il y en a cinq à l'étage, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, il y en a cinq. Donc, il y en a 5. Je pense que ça devrait aller. Là, nous avons la chambre de Cristal. Ma petite Cristal, qu'est-ce que tu es déjà Elle est soignée et bienveillante et collectionneuse. Donc, Cristal, j'ai fait une chambre Bab. Qui m'évoque le cristal, c'est très con, mais euh, bleu et blanc comme ça, avec euh, les petits, euh, les petits, euh, le tapis qui est magnifique. Euh, tout, tout, est dans les, dans les kits et les packs. Hein. J'ai aucun contenu perso. Le seul, le seul mode que j'ai, c'est le MC Commandeur et je pense qu'il va dégager parce qu'il me stresse. Donc elle a aussi un PC, elle a du bleu et du blanc, c'est sa déco. Ah, et elle a sa salle de bain. Voilà, donc c'est elle aussi à sa salle de bain. <laughs> Nous avons la chambre de Raphaël. Donc Raphaël, je lui ai mis du bleu. Qu'est-ce qu'il est Raphaël Raphaël, euh... non ça c'est Mike. Excusez-moi. Raphaël, where are you Là. Alors Raphaël est malveillant et délicat. C'est super. Merci pour les traits. Hein <laughs> euh, J'essaie de pas trop changer les traits. Je crois qu'il n'y en a que un où j'ai changé parce que je ne sais plus pourquoi. Et je suis navrée. Euh... Ça collait mieux à mon histoire. Donc du coup Raphaël. Euh, bah, lui, il a, euh, il a du bleu et du blanc, voilà. Donc, il a l'une des plus petites chambres, je crois. C'est pas parce que je l'aime pas, hein, au contraire. Mais c'est parce que j'avais vraiment plus de place, le pauvre. Et pour vous montrer que j'avais même pas assez de place, j'ai décidé que les jumeaux auraient euh, la chambre, leur, leur même chambre. Bertie, tu peux aller bosser, s'il te plaît Non, mais va bosser, mais genre vraiment. Allez-vous Au lit, au lit, à l'école. Euh, donc, ici, c'est le lit de Gabriel. Et là, c'est le lit de Maria. Euh, donc, eux ils ont du rouge, du or, euh, du noir. Ils ont aussi leur PC, etc. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais chacun a sa décoration dans toutes les chambres qu'il y a. En fait, j'ai estimé que les chambres de base sont libres, que l'appartement est à Léontine, <coughs> appartient à Léontine, mais qu'il euh, y a un nombre de chambres, donc il y a 8 chambres. Et donc, c'est aux arrivants qui viennent dans les chambres de meubler la chambre. Voilà, donc c'est pour ça, eux, ils ont plein de déco. Bibou, tu viens squatter mon chat. Oui, 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 oui. Oh mon bébé. Maman elle est occupée par contre. Hein voilà, c'est bien. Mets-moi ta queue sous le nez. C'est génial. Voilà. Passe devant la caméra. Je ne vois plus mon écran, Bibou. C'est super. Viens là. Hop Non, 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 non. Tu vas pas là. Tu vas pas là. Allez, du balai. Hop. Euh, Qu'est-ce que je disais Faire comme d'habitude, faire comme d'habitude. Bon. Euh, du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, donc euh, chacun amène sa déco surtout, et chacun amène ses meubles. C'est pour ça qu'il y a quand même des styles assez différents d'une chambre à l'autre. Et enfin nous arrivons dans la plus grande chambre, donc c'est celle de Bertie. Euh, J'ai pris la plus grande chambre pour elle parce que c'est quand même le Richard des vampires, donc c'est pas trop de la merde. Donc elle, elle a un placard intégré, et comme vous voyez, toutes les petites décos qu'il y a pu avoir, ou presque en tout cas, ce sont euh, des décos qu'elle a reçues pour son anniversaire. Genre ce truc-là, euh, les chaussures, euh, les, les petits vernis, la coiffeuse, etc. Il n'y a que le lit qu'elle a, qu a dû euh, ramener. Et elle, donc, comme vous pouvez le voir. Elle n'a aucun tableau, aucun poster. Parce que je, ce que je comptais faire, c'était de... C'était de... Comment dire Bah c'était de meubler, genre avec des photos, avec ses potes, etc. Enfin, en gros, on meublerait les, les murs. On meublerait les murs, oui, c'est ça. On habillerait les murs au fur et à mesure du de l'avancement de l'histoire. Donc Bertie, s'il te plaît, va vraiment bosser. Et ils ont tous oublié leur cours ici. C'est génial. Donc je vous reprends quand ils reviennent. Donc je disais, ça y est, ils sont revenus. En fait, je viens de tourner dans le vide depuis tout à l'heure. Ils sont rentrés. C'est le week-end, donc on n'est pas obligé de leur faire faire leur devoir tout de suite. Donc on est tranquille. Et ils ont tous soif, par contre. Donc on va aller acheter des... Euh... De, de la, du sang de, su, de substitution. Euh, on va faire ça. Est-ce qu'on peut au moins commander des packs de plasma Voilà. Donc, euh, on peut pas écrire. Ok, super, c'est génial. On est obligé de se farcir le machin. Euh, vous avez voté pour que Bertille n'ait pas aimé euh, boire du sang au cou d'un humain. Donc, elle va se concentrer sur les packs de plasma pour le moment. J'espère par contre qu'ils vont bien euh, tous. Euh... Voilà, donc c'est bon. Elle a tous les packs de plasma. C'est parfait. J'espère qu'ils vont vraiment tous <laughs> euh, boire le truc et pas. Euh... Enfin, aller allez boire dans le frigo et pas. Euh... Donc, vous buvez. Allez, toi, tu bois en tout cas. Bois-en plusieurs parce que je crois que, que, ça, que ça nourrit pas beaucoup. S'il te plaît. Qu'est-ce a fait Elle est buggée. Super. Euh, bon, on va éteindre le groupe. Voilà. Est-ce que tu peux boire Ok, donc déjà elle boit, mais elle n'a pas de. Ok, ok, ok. Tout va bien. Donc là, ils vivent leur vie, donc c'est parfait. Ils vont. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce que vous faites Ok, les trois garçons dans la chambre. Ouh. Tout va bien. <laughs> ok, tout va bien. Bon, pourquoi pas. Hein euh, tu vas quand même reboire un dernier pack au cas où, et ensuite. On va tout mettre dans le frigo. Et qu'est-ce qu'elle fait Ah, elle se met sur le petit pouf. C'est parfait. On ne peut pas mettre dans le frigo Si, c'est bon. Hop, voilà. Comme ça, tout le monde peut se nourrir. J'espère qu'ils le feront, ces imbéciles. Parce que sinon, on est dans la merde. <laughs> euh, tu vas discuter avec Maria, tiens. Vu que tu es assise à côté. Allez Pourquoi ça veut pas Ah, donc mon jeu a complètement planté. C'est génial Allez. Ah oui, non mais en fait, euh... c'est mou là. Oh c'est quoi ce truc C'est quoi cette histoire donc Donc vous votez pour une fille et pour un garçon. N'oubliez pas, il hein, y, a... y a deux votes cette semaine. Euh, on va raconter une petite blague à Maria et on va essayer de faire la causette à Crystal, mais je sais pas où elle est partie cette nouille. T'es où Crystal Qu'est-ce qu'elle fait Mais pourquoi t'es partie là Mais pourquoi t'es dans la chambre de Lady, Crystal mais c'est n'importe quoi madame Non, non, non. Des bêtises, hein Qu'est-ce qu'ils foutent dans le... Dans la chambre.. De... Mais c'est réunion, tu peux avoir dans ta chambre, Mike. Hein. Ok, donc les jumeaux, ils se tapent des délires, là. C'est génial. Euh, Bertie, il va essayer de parler à Mike un peu. Vu qu'il est là aussi. Mike, salut. Est-ce qu'on peut parler Ou est-ce que tu préfères ton PC Comment ça se passe dans ta tête Je sais pas pourquoi ça lague, les gens. C'est pas grave. On adore. C'est super. Hop je suis désolée, c'était un peu l'épisode blabla. On jouera sûrement plus la semaine prochaine, mais vous savez que moi, si, si je joue et en même temps je vous parle, je sais plus ce que je dis. Et du coup, euh, du coup les choses importantes passent à la trappe. J'ai quand même essayé. l'épisode sera peut-être un petit peu plus long, mais je vais essayer de, de condenser au montage, bref. Alors, c'est bon, vous discutez là Bon, bah voilà. Voilà, c'est bien ça, ils discutent tous. Enfin, pas tous, mais euh, tous ceux qui sont en bas, en tout cas, il n'y en a pas un autre qui traîne. Tant pis. Eh ben on va dire, ah, il y a euh, Lindy qui arrive. Lindy, les gens t'aiment Lindy. Viens parler avec nous. Mes abonnés t'aiment Lindy. <laughs> je ne sais plus qui est la cré le, le créateur ou la créatrice de Lindy. Je suis désolée si tu passes. N'hésite pas à dire, c'est moi qui ai fait cette beauté. Et <laughs> ça, ça me fera plaisir en tout cas. Euh, je sais que... Euh, Mike et Lady, c'est Bat, euh, le Gamer. Que Crystal. Non, Crystal, je ne sais plus non plus. Que les jumeaux, c'est Catilina, à qui je fais un bisou. Et, euh, et voilà. Bon, je suis nulle, excusez-moi. Excusez-moi pour ceux qui m'ont fait les. Faut que je regarde, parce que c'est vrai que je, je sais plus du tout. Ah, le mec avec cette tondeuse revient, c'est génial! Je suis désolée, c'est le RP. Le RP. Le let's play de la loose. Ça craint du boudin. Voilà, on va être amical avec tout le monde. Je crois que depuis tout à l'heure, je fais des conversations profondes. Il vous trop en avoir marre. Euh, c'est cool parce que du coup, on est. Enfin, on est plutôt potes. Hein euh, on est potes avec tout le monde, non Ouais, ça va. Ah non, Gabriel, moins. Gabriel et Lady et Lindy. Bah écoutez, on va se concentrer sur Lindy et Gabriel. Vu qu'ils sont là, hein Autant en profiter. Mike, Mike Ah oui, on avait été chez lui, je me, je, je me souviens. Attends, Mike, il y a quoi Parce qu'il n'est pas dans le groupe, parce que malheureusement, il n'y a que 8 places pour les groupes. Donc on va se concentrer sur Lindy et sur... Euh, et sur Gabriel. Et Gabriel vient de nous poser un gros râteau, donc c'est super. Enfin, il, il s'est cassé, le mec. En mode, bah, je n'ai rien à foutre de ce que tu dis. Oh là là, que dit-on d'un vampire ambitieux <laughs> Qu'il a les dents longues et voilà ah, C'est trop drôle Non, mais franchement... J'en peux plus de votre humour <laughs> euh, Par contre, si vous pouviez boire, ce serait pas mal. Parce que je commence un peu à stresser. Ah, si, ils ont l'air d'avoir bu. Non, lui, il a pas bu. Va boire, je t'en supplie, Edouard, va... Qu'est-ce qui... Edouard Qu'est-ce que tu fais, Coquinou T'es en train de draguer Lady Ouh, Edouard Ok, donc il veut pas aller boire, c'est un peu enquiquinant. Euh... Je sais que je suis pas censée m'occuper d'eux, mais j'ai pas trop envie qu'ils meurent, donc bon. Gabriel, c'est pareil, faut il faut qu'il aille boire. Maria, elle est partie dormir, alors que attends Maria, t'es pas partie, je ne sais où. Non c'est bon, elle est dans son lit. Euh, il faut que t'ailles boire aussi Maria, hein, donc viens ici. Oh là là, l'angoisse. Bah de toute façon, je m'occuperai d'eux après, c'est pas grave. Enfin c'est pas grave, façon de parler. Donc là pour le moment, ils sont, euh, ils sont bien. Ils sont dans la l'appart, ils viennent d'arriver. Donc ils font plus ample connaissance tous ensemble. Ils apprennent à s'aimer, euh, se détester, euh, etc. Et voilà. Et je pense qu'au prochain épisode on ira dans un lieu. Que je pense vous allez aimer. Il a été créé par, euh, par Anaïs Oli et Sepple. Donc franchement je pense que vous allez le kiffer. Parce que moi je le kiffe, ce lieu est juste trop beau. Mais vous verrez ça dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu, même si j'ai passé plus de temps à parler qu'autre chose. Je vous fais plein de bisous et salut